stop. Passez la robe beige, s'il vous plaît. Ah, tant de grandes marques. Et maintenant, la veste assortie. En fait, j'aimerais vraiment y aller, là. Mais vous avez 100 jours pour vous décider. Ouh. Ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout renvoyer gratuitement. Et lui aussi? Ouh. Essayez tranquillement chez vous. Zalando, livraison et retour gratuit. Mycose de l'ongle, il faut réagir. Canespro vous aide à enlever la partie infectée de l'ongle en 3 semaines seulement. Le traitement complet est plus rapide que la plupart des autres produits. Libérez-vous de votre mycose de l'ongle avec l'aide de Canespro. Nissan vous présente le tout nouveau Nissan Note. Il surveille les angles morts. Il détecte les objets en mouvement. Il vous alerte en cas de franchissement de ligne. Nouveau Nissan Note, un bouclier de protection pour une conduite plus sûre. Nouveau Nissan Note à partir de 10 690 euros. Essayez-le sans tarder. Les promos chez Bricot, ça coule de source. Cette semaine, profitez de moins 20% sur toute la robinetterie Groé. Bricot, tout devient possible. Peu importe qui tu es. Peu importe où tu joues. Joue parce que tu aimes ça. Aquarius, keep moving. Achetez une bouteille d'Aquarius et recevez gratuitement ce bidon Diable Rouge. Plus d'infos sur aquarius.be. Quand j'arrive à lui parler, même quelquefois, quand il était dans des postes de garde, qu'il arrivait à me parler, c'était vraiment des conversations téléphoniques, mais adorables, quoi, vraiment, c'était comment tu vas et tout ça. Et puis, la façon dont il parle après, je me dis, c'est pas lui. On lui a enlevé des neurones, on lui en a remis des autres, et on lui a dit, tu parles comme ça, et tu fais que ça, quoi. Donc je me dis qu'ils travaillent, ils sont vraiment autour de lui, qu'ils l'empêchent de pouvoir, je veux dire, raisonner autrement, quoi. Mimoun Akishu connaît bien le problème. Il est le président de la mosquée de Vilvorde, la mosquée An-Nasser. De nombreux jeunes d'ici sont partis faire le djihad et Mimoun Akishu parle lui aussi de lavage de cerveau sectaire. C'est exactement un secte. Exactement un secte. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Puisque ce sont des jeunes qu'on coupe du monde. On les isole, ils sont isolés, et on leur inculque ce qu'on veut. Et voilà, ils sont là, ils savent même pas ce qu'ils font. Moi, je me dis moi-même que ce sont des jeunes qui sont victimes d'eux-mêmes. Ce sont d'abord les premières victimes de leur radicalisation. Ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils font. Cela semble une certitude quand on voit ce qui se passe sur le terrain. Des images circulent sur Internet, des atrocités commises au départ au nom de la guerre sainte. Christophe Lamfalussy est journaliste à La Libre Belgique. C'est un dossier qu'il suit depuis le début. Il explique que la population civile syrienne est très souvent prise pour cible par ces fous d'Allah. Il y a des exécutions, il y a des pendaisons publiques, il y a des gens qui sont battus, on leur interdit d'écouter de la musique subitement. Donc c'est vraiment un remake de ce qui a été fait en Afghanistan avec les talibans. Sans compter les crucifixions d'enfants, les égorgements, les décapitations à main nue auxquelles ont participé certains djihadistes belges,
ou encore des exécutions de familles entières, hommes, femmes, enfants, vieillards, alignés en rang d'oignon, achevés d'une balle dans la nuque. Même s'il est impossible d'en vérifier pour le moment la provenance, ces vidéos ont toutes été publiées sur les comptes Facebook des djihadistes belges. Une autre, celle-ci par exemple. On y voit et on entend aussi des djihadistes français. Des djihadistes français et belges qui enterrent eux-mêmes leurs victimes. Regarde-moi ce mortade, regarde-moi. Allah du Djana, Allahu Akbar. Tire mon frère, tire ses coffres, tire. Regarde-moi celui-là avec sa tête de schtroumpf. Regarde-moi ça, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mais qui sont exactement ces djihadistes capables de commettre de telles horreurs? Ont-ils tous le même profil au moment où ils décident de rejoindre la Syrie? Il y a plusieurs types de partants, je dirais. Il y a, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des gens qui étaient des malfrats, des gens qui avaient un casier judiciaire, qui vont faire la guerre pour s'amuser, pour se défoncer, qui sont capables des pires violences. Et ça, on le voit dans toutes les guerres. J'ai vu aussi des jeunes en perte de repères, des jeunes qui sont dans un moment de doute. Il y a aussi des idéalistes qui partent parce qu'ils veulent aider le peuple syrien. Évidemment, on ne se rend pas compte qu'en allant là, ils vont en fait dans une guerre fratricide entre musulmans, mais aussi entre des factions rebelles. De nombreux Belges parmi tous ceux qui sont partis en Syrie ont rejoint l'État islamique en Irak et au Levant, un groupe armé lié au départ à Al-Qaïda. Ses membres se distinguent par leur violence. Leur premier objectif était de renverser le régime syrien de Bachar al-Assad. On en est très loin aujourd'hui. Bar Kim Yongour est né en Belgique dans une famille arabe alaouite, originaire de Turquie. Ses racines sont syriennes également. Pour lui, il y a eu confusion des genres dès le début. Les jeunes qui sont partis combattre en Syrie ont été présentés comme des libérateurs, comme des combattants pour des valeurs humaines et justes. Mais on s'est très vite rendu compte qu'ils ont été absorbés par des mouvements radicaux, extrémistes, qui combattent avant tout les musulmans. Et tout le monde serait leur ennemi. Impies, mécréants, athées, musulmans, chiites aussi. Concrétiser votre shahada vous désenvoie des mécréants. C'est là une chose obligatoire. Et n'écoutez pas les savants ou les imams, mais écoutez Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils collent des étiquettes à loisir sur des catégories de population et ils leur mènent la guerre de manière effroyable, en reculant devant aucune atrocité. On compte plusieurs centaines de décapitations par mois. C'est vraiment, on est dans une orgie de barbarie, hélas. Alors que la Syrie présente probablement une caractéristique religieuse unique. La Syrie est connue pour être un pays pluraliste sur le plan des croyances. Ça doit être le seul pays arabe au monde où les musulmans vont à l'église et les chrétiens vont à la mosquée sans aucun a priori, dans un esprit de fraternité et de cohabitation. Les musulmans syriens sont totalement étrangers au discours djihadiste excommunicateur, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, leur but, c'est de mener la chasse, de faire le nettoyage dans l'islam, mais ça veut dire exterminer une partie de la population syrienne au nom des Syriens. C'est un petit peu fort de café. Comment devient-on un de ces fous d'Allah? D'après l'expert en terrorisme Claude Moniquet, ces jeunes djihadistes sont pris en main dès leur arrivée en Turquie et à la frontière syrienne. Et en règle générale, quand un jeune arrive sur place,
quand un volontaire arrive sur place, il commence par subir une période d'isolement, d'observation, parce que ces groupes se méfient de la pénétration des services secrets. À mon avis, plus les individus sont jeunes, moins cette période sera longue, parce que tout le monde se rend bien compte qu'on n'est pas un agent des services secrets à 16 ans ou à 18 ans. Une fois cette période d'observation, qui est assez humiliante, hein, beaucoup de jeunes sont revenus à l'époque d'Afghanistan ou d'Irak parce qu'ils avaient passé 6 mois à balayer une cour ou à faire la popote pour leurs camarades qui allaient se battre et que ce n'était pas pour ça qu'ils étaient venus. Donc une fois passée cette période, ceux qui sont vraiment prometteurs au niveau du caractère et très engagés, très volontaires, vont effectivement passer par une période d'entraînement militaire très courte. Et puis on va les envoyer au front et les utiliser souvent comme chair à canon. Un entraînement qui comporte aussi le maniement des armes et la fabrication de bombes. Les bombes sont extrêmement utilisées, ce qu'on appelle les IED, hein, les Improvised Explosive Devices, les bombes improvisées, sont extrêmement utilisées sur tous les terrains de djihad. Et pour certains, ça peut aller plus loin. On sait que, par exemple, des Français, et très probablement des Belges, ont été mêlés à des crimes contre l'humanité en Syrie, des interrogatoires de prisonniers qui ont été torturés et puis qui ont été assassinés, qui ont été égorgés, etc. Combien de Belges sont partis en Syrie ? D'après les derniers recensements très difficiles à établir, il serait entre 200 et 250. Parmi eux, Abou Omar Belgiki, on le voit ici dans une espèce de tranchée, il se filme lui-même. Cela fait plaisir de voir de temps en temps du sang de mécréants. Du mécréant coulé. Le chiffre effectivement dont on parle en Belgique, c'est à peu près 250 personnes, qu'on peut comparer à la France, 250 à 300 personnes. Si on se rend compte, si on tient compte du fait que la communauté musulmane française est à peu près 6 fois supérieure en volume à la communauté musulmane belge, oui, c'est un chiffre très important pour un pays qui n'a que moins d'1 million de musulmans sur son territoire. Alexis de Zouaf est avocat. Il défend une dizaine de parents de jeunes djihadistes au sein du collectif des parents concernés. Pour lui, ces chiffres officiels ne sont pas tout à fait corrects. D'après les informations dont moi je dispose, je pense que le chiffre est sous-estimé et qu'il y a une part où il est volontairement sous-estimé par les autorités pour essayer de minimiser le problème. Vous pensez qu'on est à combien ? Les chiffres que moi j'entends, on dépasse les 400, on approche les 500. Car toutes les familles, par gêne, par sentiment de culpabilité, d'échec ou de honte, ne signalent pas nécessairement tous les départs aux autorités. Des départs qui les laissent complètement désespérés. Bien sûr, on culpabilise toujours dans ces cas-là. Oui. Je me dis, je leur ai pas donné ce qu'il fallait. Je ne leur ai pas donné la bonne éducation, ça je le pense, oui. C'est pas évident tous les jours, mais je veux dire, c'est ce qui me motive en fait, c'est continuer pour ma famille et pour mon boulot. En fait, je vis dans l'espoir d'abord qu'il m'appelle, comme ça je sais qu'il est encore en vie. Et je vis dans l'espoir qu'un jour, on va... Parce que ça, c'est quelque chose qu'il m'a dit aussi. Je lui ai bien mis en garde aussi. Je lui ai dit, ne fais pas quelque chose qui serait contre ta religion aussi. Et il m'a dit, maman, ne t'inquiète pas, le jour où on me demandera de faire des choses qui sont contre ma religion, je ne le ferai pas et je les quitterai. Des départs qui plongent aussi la communauté musulmane dans une grande tristesse et un grand désarroi. Tout d'abord, c'est un sentiment d'échec. Puisque s'il y a un jeune qui est parti, c'est que nous avons manqué quelque chose. Nous n'avons pas fait quelque chose que nous devions faire. C'est un sentiment de tristesse, puisque c'est quand même un des jeunes de Villevorte qui est parti, sans faire la différence, mais enfin, ce sont nos enfants, ce sont nos jeunes de notre propre ville qui sont partis, de notre propre communauté qui partent. Ce sont les sentiments que nous avons. Du côté des retours, le problème est d'une toute autre nature. Ils ont subi là un entraînement militaire
entraînement à l'explosif et donc vont revenir en Belgique avec une capacité de nuisance qui est énorme. Et ça, c'est un vrai danger, évidemment. Quand on passe des mois, peut-être des années, à vivre de cette manière, à égorger des gens, à tuer des civils, on n'est plus un être humain classique, normal, qu'on peut réintégrer gentiment dans son école ou dans son milieu social. Pour l'avocat du collectif des parents concernés, il faut évidemment éviter d'importer des éléments ou des comportements de nature terroriste sur le territoire belge. Mais ces jeunes ne constituent pas tous un danger. Sans angélisme et sans naïveté, il faut examiner au cas par cas la situation de ces jeunes, un véritable screening de la personnalité et du récit du jeune avec des moyens de vérification qui sont en place. Il faut savoir que certains jeunes qui sont là-bas, qui sont encore en contact avec leurs parents, sont surveillés à distance par les autorités. On sait où ils sont, on sait où ils étaient, et donc on pourra vérifier leur dire par rapport aux éléments dont les autorités disposent déjà. Les autorités belges surveillent de très très près ces départs, de plus près encore ces retours. La ministre de l'Intérieur et le gouvernement fédéral dans son ensemble ont mis sur pied il y a plusieurs mois déjà une task force Syrie. Des moyens ont été dégagés, c'est l'une des priorités du moment, une situation suivie au jour le jour. Il y a quotidiennement des renseignements qui rentrent et en fonction des personnes qui reviennent, etc., les réunions se font, je dirais, en temps réel, si c'est nécessaire, pour envisager quelles mesures doivent être prises lors du retour de l'une ou l'autre personne. Plusieurs Belges sont déjà revenus. Le jeune Bilal, qui était parti avec Ismaël, est rentré à la maison il y a quelques mois. Je suppose qu'il a vu des scènes d'horreur. Il a été choqué et il a eu peur. C'est ce que son papa m'a dit. Et il a téléphoné à sa maman, à son papa, et sa maman est allée le chercher. Il est revenu en juin 2013 déjà. Donc maintenant, il a pas de problème. Il continue ses études. Il va bien. Il y a un grand travail qui a été fait d'abord par sa famille, par ses parents, par tous les services auxquels ils ont souhaité faire appel. Et il a été suivi évidemment par nos services de police. Il y a un juge qui a suivi cette affaire également. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'en prendre de mesures supplémentaires. Jusqu'à présent aussi, ces retours n'ont pas influencé le niveau de la menace terroriste qui pèse sur la Belgique. Non, le niveau est toujours 2 sur 4. Et donc, pour le moment, nous n'avons pas de renseignements nous obligeant à envisager d'augmenter le niveau de la menace. Des renseignements obtenus grâce au travail d'équipe en permanence sur le terrain, policiers, éducateurs de rue. Quand on a commencé avec ça, il y avait que SIC. Hein. Non, ça c'est vrai, on peut pas. Et on est en 50, enfin, plus ou moins. À Skarbek, on fait le point chaque fois que c'est nécessaire. Aujourd'hui, c'est un jeune radical qui a été repéré. Nous autres, on sait qu'il est principalement actif du côté de son école avec une série d'autres jeunes. Mais ici, le rapport, enfin la demande d'enquête recherche locale a été envoyée. Autre information du jour, elle concerne Nora. La jeune veuve se serait lancée dans le recrutement par Internet. Et elle recrute le premier à être recruté. C'est son petit frère. On a déjà signalé au bourgmestre au mois de février que son petit frère suivait le même chemin. Une vigilance de tous les instants, une vigilance de proximité pour déceler la moindre information. Qui est plus proche du citoyen que la commune, que la police locale, que les autres acteurs sociaux, que l'environnement immédiat des gens, parce que tout ça sont des personnes de référence hein, qui peuvent aider à lutter contre le phénomène. C'est normal que ça va se passer au plus proche de la personne et donc les autorités locales, les acteurs sociaux sont des acteurs de première ligne et primordiaux dans ce combat. Pendant ce temps, les parents des djihadistes belges restent suspendus à leur téléphone dans l'espoir de nouvelles. Celui d'un retour au pays ne semble pas à l'ordre du jour. Est-ce que vous pensez qu'il reviendra un jour ? Non, je crois pas. Parce qu'il m'a dit
Je suis là pour construire un nouveau pays, pour aider les musulmans qui se font massacrer. Et quand je dis, mais si jamais ça n'arrive pas, c'est que je serai mort alors. Donc, je crois pas qu'il reviendra. Avant de nous quitter, sachez que vous trouverez dans le Soir Magazine de ce mercredi un dossier consacré à l'affaire Ankinet que nous avons évoqué en début d'émission. Voilà, c'est fini pour ce soir. À très vite pour de nouveaux indices. Belle soirée à tous. Avec Silan, votre linge reste frais.